Les 30 janvier et 6 février prochains, M6 diffusera les portraits de la saison 18 de L'Amour est dans le Pré. Les téléspectateurs vont notamment découvrir Yoris, un maraîcher de 34 ans qui est complexé par son poids. Dans L'Amour est dans le Pré, les agriculteurs se suivent mais ne se ressemblent pas. Les 30 janvier et 6 février prochains, M6 diffusera les portraits des nouveaux candidats de la saison 18 de l'émission de dating. Parmi les 14 cœurs à prendre, Yoris va tenter de sortir son épingle du jeu. À 34 ans, le maraîcher, céréalier et arboriculteur originaire de Nouvelle-Aquitaine dirige une exploitation de 120 hectares d'arbres fruitiers et de légumes. Il travaille avec son père et son frère. Le célibataire est également sapeur-pompier volontaire depuis 15 ans. Gentil, généreux et très famille, le trentenaire espère plus que tout trouver l'âme sœur, lui, qui n'a pas confiance en lui. Complexé par son poids, Yoris est très timide et n'a pas une grande expérience des relations amoureuses car il n'a eu qu'une vraie histoire il y a 12 ans. Yoris en a assez d'être le bon copain depuis des années, Yoris ne trouve pas l'amour. Pire, il n'arrive plus à sortir de son rôle de bon copain auprès de l'agent féminine et souffre énormément de cette situation. Je voudrais me prouver que je ne suis pas forcément le mec qui ne plaît à personne, a-t-il confié à M6. Heureusement, le maraîcher peut compter sur le soutien de ses deux amis, Anne-Laure et Léonore, qui l'ont inscrit à L'Amour est dans le Pré. Et Yoris a quelques critères concernant sa future compagne. Il voudrait notamment qu'elle soit nature, entreprenante, voulant des enfants et avec suffisamment de caractère pour le sortir de son train-train. Physiquement, l'agriculteur n'a aucune exigence excepté que sa prétendante devra faire le premier pas pour le rassurer. Reste à savoir si Yoris trouvera la perle rare grâce au programme de M6. La diffusion de son portrait sera décisive pour lui.